حجم يعني ذاك المبحر في كل حقل وفن، رجل الميدان الذي لم يمل ولم يكل من التنقيب بأدوات متنوعة للغوص أعمق في حقول البحث المختلفة، من الأدب الذي أولاه أهمية كبيرة طيلة مشواره البحثي. Et ce qui m'intéressait, Anna, c'était l'histoire de ce qu'on appelle l'institution, le champ littéraire, où il me semblait que les études littéraires, d'ailleurs même pour ce qui concerne le roman de langue arabe, l'édition de langue arabe, il me semble que le gros problème qui se pose aujourd'hui pour les chercheurs, c'est de définir qu'est-ce que c'est le champ littéraire aujourd'hui en Algérie, qu'il soit de langue arabe ou de langue française, le problème ne se pose pas. إلى ميدان المسرح والسينما وكذلك الموسيقى التي تعمق في البحث فيها فأبدع، وصار مرجعا بما شكله من سبق في الاشتغال وما راكمه من معطيات كثيفة. La voix du globe. La voix du globe est, elle date de 58. Voilà. La voix du globe, c'est Si Suleiman. Il m'a écrit La voix du globe, Si Suleiman. Et lui, c'est lui qui a En fait, c'est lui, on va dire, le premier Orané qui a fait 58 et il avait une usine de pressage. شكل التنوع واحدا من اهتماماته، تنوع الأجناس كما تنوع اللغات. كان هاجسا بحثيا سعى لمقاربته في فترات مختلفة من مساره. Parce que c'est la première fois que les équipes de recherche traduisent dans une formation ce qu'ils font dans la recherche. Parce que généralement, on fait de la recherche, on publie, et puis basta. Et là, on a voulu tenter cette expérience, c'est-à-dire ce qu'on fait au niveau de la recherche, bien sûr, on a associé d'autres collègues, d'autres universités, mais on a voulu le faire dans le cadre d'un séminaire pour les doctorants. C'est-à-dire on a voulu que la recherche, ce ne soit pas une recherche élémentaire. On voulait donner quelques éléments aux doctorants. C'est-à-dire, ça montre, parce qu'on n'a pas s'entendu dire le lien entre la recherche et la formation. On a tenté cette expérience. Bon, je ne sais pas si ça vaut. En tout cas, c'est une expérience. Moi, en tout cas, je trouve qu'elle est. Moi, personnellement, j'ai. Et puis surtout, on a voulu casser le tabou des langues. Là, on a voulu que ce soit les trois langues. Que ceux qui sont donnés en capitale et tous sont ceux qui vont écrire en arabe. Dans les nouveaux romanciers de langue arabe des années 90, on va voir beaucoup d'écrivains qui sont originaires de l'Acadie. حاجم ليان اهتم بالموروث المادي واللامادي على حد السواء، فأشرف على مشاريع جمع لها فرق بحث متعددة التخصصات من جامعات ومؤسسات من مختلف جهات الوطن. L'équipe de recherche patrimoine, pratique artistique et culturelle en mouvement organise aujourd'hui la première table ronde pour cette année sur le patrimoine matériel. C'est la première session. Il y a une deuxième table ronde qui va se tenir dans deux mois qui portera sur le patrimoine immatériel. Et la troisième session, c'est le patrimoine numérique, au mois de septembre chaque année. Je voudrais dire un mot sur l'équipe de recherche, c'est une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire que nous sommes des chercheurs qui venons d'horizons différents. Donc on a des architectes, on a des gens qui sont des arts plastiques, de théâtre, de la musique, parce qu'on a fait la première conférence avec M. Reda Doumez sur le Chabi. Et du domaine de la, on va dire, de la culture de manière générale. Donc nous sommes une équipe multidisciplinaire et nous travaillons sur la question du patrimoine. ولم يكن ليقف عند حدود الوطن، فهو الخبير والمتخصص الذي وصل صيته إلى العالم، فبات اسمه معلما ومرجعا لمؤسسات بحث دولية. Appelé à être dans le comité de pilotage. Ça, c'est la réunion du comité de pilotage. C'est-à-dire qu'on a été invité, escalité en tant qu'expert, pour faire partie du comité de pilotage. C'est pas de ce projet qui est le projet d'un observatoire. Cet
conservatoire qui a comme objectif méditerranéen à réputation sociale. كان من أكبر ميزاته تقاسم المعرفة والخبرات مع غيره من الباحثين وخصوصا منهم الشباب، فكان يحمل هم نقل ما خبره هنا أو هناك إلى الطلبة والباحثين. qui étaient en relation et qui travaillaient sur tel ou tel thème, se rencontraient, faisaient un colloque, c'est ça, grosso modo. Moi j'ai participé à deux ou trois réseaux comme ça. وهل يمكن الحديث عن حجم الياني دون الحديث عن روحه الجميلة وضحكاته الممتدة وكل ذاك المرح والمتعة التي ترافق حضوره وتملأ المكان حوله فتجعل له في كل قلب محبة وتحشد المحبين من حوله؟ Et puis et tout de suite, elle va terminer puisqu'il y a, on est victime de notre succès. On va, il y a du monde qui est dans une autre salle à côté, donc on va aller prendre la salle de conférence, on sera plus à l'aise. Donc dans le temps qu'elle termine et après on changera de salle. Ça va. إنه سيد الإمتاع والفرح حين استطاع بفن أن يزاوج البحث بالمتعة والشغف. C'est la dernière séance. Je lui dis avec plaisir. C'est la dernière séance du séminaire doctoral sur les littératures algériennes actuelles. كان آخر نشاط أشرف عليه في المركز سلسلة التكوين الدكتورالي التي لخصت فلسفته، أكاد أقول رسمت معالم وصيته: المشاركة، التكوين، التنوع والتعدد. لقد مثلت هذه المفاهيم أعمدة ممتدة لمشروعه الباقي الذي ظل يكد ويتعب من أجل إرسائه حتى أيامه الأخيرة. صبا كبير وتجربة كبيرة عند أستاذنا اللي قدر يواصل سواء حضوريا ولا عن طريق الزوم. طبعا شكر خاص للبروفيسور والعمل المستمر كما قال الأستاذ مرياني، وهو صاحب المبادرة وهو صاحب الفكرة والتخطيط. نثني على جهوده، يعني لعب يعني دور كبير في إنجاح هذه الملتقيات، ونثني على جهوده ونتمنى أن يواصل. شكرا. لكنه لم يواصل. حجم الياني كنا نظن أن الدرب لم يزل طويلا وكنا نريد المزيد بعد، كنا نأمل أن نواصل، ولكنك قررت بحدسك وأعلنتها دون أن نعيها إلا لاحقا.